Bonsoir, c'est MacMist et on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Fez. Et alors, avant de commencer, je voudrais d'abord m'excuser pour la dernière vidéo où on m'a reporté qu'il y avait eu quelques problèmes de d'image manquante en fait. En fait, c'est dû au montage. Quand j'essaie de faire des montages avec un petit peu d'humour dessus, des fois ça bloque et donc. Bah, c'est le gros bordel, et voilà. Et vu que je fais pas attention, que je suis un gros bourrin, que je poste mes vidéos direct après sans vérifier qu'elles soient bien, bah voilà, ça donne des trucs où il manque des images, alors je suis désolé pour ça. Et deuxième chose à vous dire aussi, entre la fin du dernier épisode et cet épisode-là, j'avais enregistré un truc, mais j'ai perdu l'enregistrement. Bon, c'était un petit truc court, c'était un petit niveau. Il y avait juste une tour à monter, mais voilà, donc du coup, ne soyez pas étonnés si je reprends pas au même endroit que là où j'ai commencé. Ce sera parce que j'ai simplement perdu la vidéo et voilà. Donc vous n'avez pas perdu grand-chose, c'est pour ça que je le refais pas. Et donc maintenant, on attaque la suite du gameplay. On continue la partie, bien sûr. De retour dans la matrice. Non, ça c'était pas une bonne idée. YOLO! Ne jamais rester appuyé sur la touche droite quand on fait quelque chose. Voyons voir. Non, je n'ai pas assez de cubes. Non, je n'ai pas assez de cubes. Non plus. Et là, c'est de la rien. Donc, sautons, sautons, sautons. Essayons de sauter bien comme il faut. Voilà. C'est toujours aussi magique d'interagir comme ça avec le machin. Oh, et une porte. Mais qu'y a-t-il dedans? C'est Porygon. C'est un Pokémon. Ah bon, d'accord. C'est si magique que ça. Désolé, j'ai bugué. Oui, alors, je tiens à dire un truc, je suis vraiment amoureux de ce jeu, ça y est, c'est décidé. C'est pour ça que j'ai bugué d'ailleurs, parce que c'est tellement magique de pouvoir faire tout ça. Donc, continuons. Mon petit chat. Non, cherche pas, tu pourras pas l'avoir le papillon. T'as pas été programmé pour ça. Il me faut une clé. Eh, mais j'ai une clé normalement, si je me souviens. Oui, j'ai une clé. Bah ben voilà, on va pas s'embêter. On y rentre dedans, ça sert à rien d'ouvrir la porte, c'est pas pour rentrer dedans. Ah oui, contrôle. Une carte au trésor. Mais que cela peut-il être? C'est très bien. D'accord. Bon, si vous comprenez quelque chose à l'emplacement, vous me dites, parce que moi, là, je ne comprends pas. Voilà. Comment on quitte? Oui, c'est très bien. Ah, comme ça, quand même. Alors. Bon.
Les premiers petits cubes. Bientôt, je vais pouvoir avoir un cube complet, je... Quoi? Pourquoi je me retrouve là? On est bien d'accord, j'étais dans un phare juste avant, non? Ils ont décidé d'être chiants. Monte, petit Fez, monte. Non, Gomez. Gomez, allez, tu peux le faire. Allez, Gomez. Allez, Gomez. Allez, Gomez. Mais... Fais le numéro 2. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au sommet du phare, bien sûr. J'ai entendu le machin vol. Ah, je crois que j'ai compris quelque chose. Voyons voir. Fais-moi, par rapport à la carte des trésors. On est bien d'accord que ça ressemble à là où je suis, non? Ah, c'est pas exactement cette carte. Bref, en tout cas, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. En fait, j'ai oublié d'où je venais, alors, comme ça. Comme ça, c'est pratique. Donc... Donc, une maison avec une porte tellement originale. Et on se trouve encore dans la quatrième dimension. Oh. Tourne. Non, tourne. Ceci est un pivot. Appuie sur les contrôles sur l'un des manches pour faire tourner le pivot dans un sens ou dans l'autre. Merci, monsieur. Il y a un panneau. D'accord. Thank you.
et de 4. Faudrait un petit passe-partout en fait. Ce serait marrant. Mais allez, descends. Oui, non, mais pas autant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire par la suite? Ouf. Mais quoi, je... Mais pourquoi... Pourquoi j'ai changé de cœur encore? Le jeu est magnifique, mais alors je suis complètement perdu. Mais genre... complètement. Pas vu porte. C'est bon, je t'avais pas vu à la base. Ouais, mais d'accord, mais... Et du coup, je peux aller en bas aussi. Ouais, mais c'est un peu trop bas, là. Ah, ça j'aime bien ça. Ça c'est cool ça. Et il commence à faire nuit. Et je suis mort. Donc... Ok. Voilà. Encore une fois. C'est cool. J'aime beaucoup la musique de jeu. Par contre, j'aime pas mourir. Va vous en faire tourner la tête. Est-ce que tu le sens baiser? Bon. Descendre. Non, non, c'est... Ah, il y a ça que j'avais pas vu.
Ah, le trompeau de mouton. Et normalement, voilà. J'ai bientôt un nouveau cube. Ça, petit lézard. Ok. Sauver la vie. Ah ouais, d'accord, ouais. Complètement brisé, mais du bout en bout. Y'a pas de porte, pas possible. Non, y'a pas de porte. Hein. Chag ah. C'est une blague. Wouah la classe! Non! Non, j'aime ce jeu, c'est trop la classe! Oh putain! C'était beau! Oh, comment c'est magique! Mais. Aïe, comment je me suis fait baiser! Reviens là, petit tire-bouchon, reviens là. Même si tire-bouchon n'est pas ton prénom. Mais non, mais je reviens là, j'ai dit. Mais Jean-Paul. Non, je sais que. Mais vas-tu revenir? Espèce d'égoïste. Voilà. Voilà. Et on se loupe pas ce... Ok. Ok. Et ouais. Ouais. C'est mieux ce que je me disais. Vraiment que j'allais me faire avoir comme un bleu comme ça.
C'est bon, vas-y, remonte. C'est pas le moment de dormir, espèce de feignasse. Une porte. Est-ce que je vais encore me retrouver dans la cinquième dimension? Oui. Ah mais suis-je bête? Bien sûr que je suis bête. Je me disais aussi. Que ce soit ça, celui-là ils vont être l'un devant l'autre en fait, mais bon, oui, non, c'est ça en fait, j'ai compris. Voilà, et toi, viens là, et à tous les coups, je tue de côté. Tu montes d'une échelle, tu tombes. Quand tu arrives en haut, au lieu de te lever, tu tombes. J'ai un cul. Et c'est donc sur cette magnifique prise de cube que je vais arrêter cet épisode. Voilà, j'espère que vous avez aimé. À plus.